bénissons le Seigneur pour ce merveilleux rendez-vous. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Alors que nous commençons ces moments, je prends le temps également de rendre grâce à Dieu pour tous nos parents dans la foi et tout particulièrement pour le pasteur Marie-Laure qui est avec nous ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour la présence des bien-aimés avec nous dans cette maison de prière pour toutes les nations et pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes tous dans un même lieu spirituel. Et alors que nous commençons ces moments, nous lisons le psaume 113. Le psaume 113 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Le psaume 113 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. C'est le psaume avec lequel nous démarrons ce temps merveilleux de louange, de cantique spirituel. Psaume 113 du verset 1 jusqu'au verset 9. Nous lisons ensemble dans la version Louis II. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Tu levais du soleil jusqu'à son couchant.
merci. Jusqu'à son bouchon. Célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Adonai. Nous célébrons ton nom du lever du soleil. Du lever du soleil. Quand je me lève le matin. Jusqu'à son. Jusqu'à son couchant.
personne ne nous empêchera de louer Yeshua. Amen. Et quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, on va voir les vrais adorateurs. Vers Jésus, je lève les yeux. Pas seulement en temps de joie, mais quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus, je lève les yeux. Oh, la paix me revient. Je ne crains plus rien. Je ne crains plus rien. Je ne crains plus rien. Mon espoir, mon espoir. Je ne crains plus rien, la paix me revient. Je ne crains plus rien, je ne crains plus rien, je ne crains plus rien. Mon espoir dans les combats, c'est Jésus. Je ne crains plus rien. Quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus seul, vers Jésus, je lève les yeux. La quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus, je lève.
Courage dans la foi, car nous avons vaincu le
Et c'est ce que Paul dira un peu plus loin après dans Éphésiens chapitre 6 au verset 13. Il nous montre un secret afin de tenir ferme. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Pas une seule ne doit être laissée. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Pendant ces quelques minutes, j'aimerais parler avec vous d'une des armes de Dieu que nous prenons afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il s'agit du bouclier de la foi. Alléluia. Hébreux 11, verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi procède de l'espérance. Et quand le mauvais jour vient, quand les difficultés viennent, très souvent c'est l'espérance qui est affectée. C'est l'espérance qui est altérée. Dans ma communion personnelle avec le Seigneur, il y a eu des moments où j'ai élevé des prières. Et je pense, alors que je vous parle, à un sujet spécial, un sujet tout particulier, que mon épouse et moi, Nina, qui est également présente pendant ces moments, avons élevé vers le Seigneur. Et les années passent, et on ne semble pas voir l'accomplissement de cette prière que nous élevons au Seigneur. Eh bien, que fait le juste dans ce genre de situation? Que fait-il lorsqu'il élève sa voix, lorsqu'il a une ferme assurance des choses qu'il espère, mais qu'il n'en voit pas encore la démonstration? Eh bien, le juste vit par la foi. Hébreux 10, verset 38. Et la Bible nous dit dans Romains 4 que notre père dans la foi, c'est Abraham. Et quand nous avons commencé à considérer la vie d'Abraham, mon épouse et moi, nous avons vu qu'il a fait une chose. Au verset 16, il est dit, espérant contre toute espérance, il crut. J'aime beaucoup ce verset, mon épouse le sait également. Ayant la ferme assurance, la ferme conviction que celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Amen. C'est formidable de voir que quand nous adorons le Seigneur, quand nous l'approchons d'abord pour être exaucés, nous finissons, à mesure que nous le rencontrons, par le découvrir, par reconnaître le Dieu d'espérance lui-même. On finit par apprendre à savoir que Dieu lui-même espère aussi contre toute espérance. Il espère voir sa parole achever son œuvre dans nos vies. Il espère contre toute espérance quand les gens disent non, ce couple-là n'y arrivera pas. Ils vont finir par flancher dans leur foi. Et quand dans le monde spirituel, des voix s'élèvent pour dire non, ils n'y arriveront pas. Dieu se lève et il dit, espérant contre toute espérance, Jean-Christophe et Nina y arriveront. Et quand les choses se sont avancées, quand les choses ont progressé dans le temps, au temps convenable, alors que nous ne nous y attendions même plus, le Seigneur a ouvert la porte et a exaucé de manière extraordinaire, de manière si simple, à cette requête que nous lui avions adressée après tant d'années. Bien-aimés, avant que nous ne continuions à l'adorer, j'aimerais que nous ayons la conscience de ce Dieu-là duquel nous nous approchons. Il est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Il est celui qui ordonne et la chose arrive, qui parle et la chose existe. Il est le Tout-Puissant. Quelqu'un dit avec moi, tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Il n'y a rien qui te soit impossible. Il n'y a rien qui te soit impossible. Il n'y a rien, Seigneur. Nous t'adorons, nous te bénissons. Exaltons-le ensemble. Bénissons son Saint-Nom. Alors que nous l'approchons, considérons le Dieu puissant et merveilleux duquel nous nous approchons, celui avec qui nous avons une belle filiation en Christ. Oh, béni sois-tu, Seigneur, que dans les maisons des voix s'élèvent pour dire tu es puissant, que dans les milieux de travail des travailleurs s'élèvent et disent tu es puissant, que des étudiants se lèvent et disent encore dans mon milieu d'études tu es puissant, que des personnes à des postes de gouvernance s'élèvent devant les défis de leur nation et disent avec nous tu es puissant, dans les mauvais jours que connaissent nos nations, que des hommes de foi se lèvent espérant contre toute espérance et disent tu es en toute liberté, alors que nous déclarons cela, tu peux prendre une position de foi alors que nous disons tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. C'est pourquoi sur ta
parole. Sur ta parole, je me lève et je témoigne. Tu es puissant. Amen. Mon bien-aimé déclare, tu es puissant. Tu ce soir aussi, là où je suis, je me lève, Seigneur, et je déclare, tu es puissant, et je l'enseigne à ma famille, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, sur ta parole, sur ta notre Père, disons, tu es glorieux. Yeah.
quand le Père dit il faut que tu crois ce que tu t'apprêtes à dire maintenant dans l'adoration. Il faut que tu crois, il faut que tu crois. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui soit qu'il est réel. Il n'y a aucune parole vaine prononcée dans ce temps d'adoration. Il n'y a aucun propos inutile. Chaque parole compte. Chaque propos compte. Nous te prenons. Que tu crois. Le Seigneur est sensible à la foi ce soir. Dans le mauvais jour, déclarons ensemble. Déclarons non rien. Dans le lieu de sa présence, c'est là où tout est possible. Aux hommes, cela est impossible. Mais à toi, Père, tout est possible. Et tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Alors nous approchons par la foi et nous déclarons avec assurance, alors que nous t'adorons. Contempler le Dieu de l'espérance lui-même.
au-delà de la promesse, au-delà de la promesse, c'est toi que nous adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous n'adorons pas la bénédiction, nous n'adorons pas le fait d'être sorti des épreuves et des difficultés. C'est toi le sujet de notre adoration. Et à côté du témoignage de Père Abraham, j'entends le témoignage de Mère Sarah dire que tu es fidèle. Quand Papa Abraham dit que tu es puissant, Maman Sarah dit que tu es fidèle. Quand les choses semblent durer, quand les choses semblent tarder, Maman Sarah dit tu es fidèle. Même si les choses ne se passent pas forcément comme nous l'attendons, comme les amis de Daniel trouvent de vrais adorateurs qui savent tenir dans le mauvais jour et dire nous ne nous prosternerons jamais devant le diable, nous ne nous prosternerons jamais devant Mammon, nous ne succomberons point aux propositions du monde, nous demeurons fermes dans la profession de notre foi, nous persévérons et nous continuons à t'adorer, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. C'est ton caractère, tu es fidèle. C'est ton caractère, tu es fidèle. C'est dans ta nature, tu ne sais pas tromper. Tu ne sais pas abandonner. Tu ne sais pas laisser tomber. Pas une fois, pas une fois.
Nous sommes environnés du témoignage des anciens. Là, c'est Joseph qui chante même ce que l'ennemi, même ce que l'ennemi fait contre moi, tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Turn it around for my good. Even in the valley, même dans la vallée, tu es fidèle. Tu ce que l'ennemi fait contre moi, tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien et pour ta gloire. Même dans la vallée, tu es fidèle. Tu agis pour mon bien. Tu agis. Verset 16, Balaam dit: je suis celui qui reçoit les paroles du Dieu très haut, celui qui a la vision du très haut, celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quand vient le mauvais jour, quand nous avons prié, pleuré, prié, et que nous ne savons plus ce qu'il faut faire, voici l'attitude par excellence à avoir, l'attitude du vrai adorateur qui se tient sur ses jambes et qui se met à adorer le Seigneur, qui se prosterne devant lui et dont les yeux s'ouvrent. Asaph, dans le psaume 73, dira: la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré les sanctuaires du Dieu vivant. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui veut avec moi pénétrer encore les sanctuaires du Dieu vivant? Il est ce cantique qui dit que les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Je ne le chante pas ce soir de manière routinière, de manière religieuse. Je le chante avec la révélation de celui-là qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Celui-là qui, quand il regarde les mauvaises nouvelles, les crises autour, a une grande difficulté à ses yeux, jusqu'à ce qu'il pénètre le sanctuaire du Dieu vivant et qu'il reçoive les nouvelles d'en haut de celui-là qui abaisse les regards et qui soutient le pauvre, qui le relève, qui tire l'indigent du fumier et qui le place dans la cour des grands, et non pas des grands de ce monde, mais des grands de son peuple. Oh, tournons nos regards ensemble et adorons l'agneau immolé, celui qui a fait preuve de la plus grande humilité. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quand viennent les jours déclarés mauvais, comme quand viennent les jours déclarés bons, quelles que soient les circonstances, trouve en nous de vrais adorateurs. Des vrais adorateurs qui pénètrent toujours le sanctuaire, dont l'espérance est accrochée profondément à toi. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre au-delà du voile, là où Christ a pénétré les cieux et s'est assis à la droite du Père, là où il intercède pour nous, où son intercession est fervente et efficace. Et dans le repos de sa présence, nous l'adorons, sachant qu'il a déjà tout accompli, tout achevé.
adorons l'agneau assis sur le trône. Achevé à la croix, nous a rachetés, nous a rachetés.
visage ne se couvre pas de rose. Alléluia. Parmi les hommes de foi, Hébreux 11 cite Enoch. La Bible dit que c'est par la foi qu'Enoch marcha avec Dieu, en sorte qu'il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ce qui compte avec le Seigneur dans la marche, ce n'est pas vraiment la destination finale, c'est le parcours. Et nous voulons chaque jour savourer le parcours avec toi, Seigneur. Nous ne contemplons pas les jours pour voir s'ils sont mauvais ou s'ils sont bons. Nous te contemplons, toi, Père, car nous savons que toi, tu es toujours bon, toujours merveilleux, toujours excellent, toujours glorieux, toujours digne de louange, toujours puissant et redoutable, toujours excellent. Nos yeux sont fixés sur toi pendant la marche et nous savons qu'à un moment donné, comme Enoch, à mesure que nous marchons avec toi, que nous croissons dans la vie de l'Esprit, certainement, on ne nous verra plus. On ne verra plus ma nationalité, on ne verra plus mon genre, on ne verra plus ma position sociale, on ne verra que Christ. On ne verra que Christ. Alléluia. Tu marches avec moi, oh, tu marches avec moi, oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Et c'est ainsi que nous terminons ces moments. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Merci Seigneur. Pas à pas, pas à pas, tu marches. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Dans les verts pâturages, comme dans la vallée de l'ombre de la mort, tu marches. Tu marches avec moi. Près des eaux paisibles, oh, comme dans les sentiers de justice moi, et de vérité. Seigneur, oh oui, tu marches avec moi, tu marches avec moi. Tu marches avec quelle moi. Grâce. Tu marches avec comme moi. Comme Enoch a marché merci avec Seigneur. Toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci avec un pas affermi chaque jour progressant par la foi. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Lion de Juda, merci Seigneur Jésus.